Ce samedi 18 mars, après le match exceptionnel des Bleus au tournoi Destination, Jean-Luc Reichmann a braqué les projecteurs sur sa compagne Nathalie Lecoutre, en souffrance à la sortie du Stade de France. Ce samedi 18 mars, l'équipe de France de rugby affrontait le Pays de Galles à l'occasion du tournoi annuel des 6 nations. Et après de longues minutes de match au cours duquel la tension était palpable, les Bleus ont décroché la victoire pour le plus grand bonheur des supporters. D'ailleurs, parmi les fans invétérés du sport au ballon ovale, on retrouve l'animateur phare de la première chaîne, Jean-Luc Reichmann. Le présentateur des 12 coups de midi n'a jamais caché sa passion pour le rugby. Présent au Stade de France aux côtés de sa compagne Nathalie Lecoutre, Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de féliciter comme il se devait les joueurs pour cette dispute exceptionnelle. Et si l'on se fie à la vidéo que l'animateur a partagée sur son compte Twitter, sa dulcinée, elle aussi, n'est pas prête d'oublier cette soirée. Je n'en peux plus. Que ce soit sur son compte Instagram ou sur son compte Twitter, Jean-Luc Reichmann ne manque jamais une occasion d'interagir avec ses fans. Et le grand fan de rugby qu'il est n'allait sûrement pas manquer l'occasion de mettre les Bleus à l'honneur, après leur victoire face au Pays de Galles. Ballon ovale à l'effigie de Toulouse dans les mains et des étoiles plein les yeux, c'est en sortant du stade où se tenait la rencontre sportive que le présentateur s'est filmé et a fièrement déclaré « Ça y est, la France a gagné ». Avant d'interpeller sa compagne, Nathalie Lecoutre, au loin, « Ça va, ça t'a plu ce match ?» Mais cette dernière n'a pas pu exprimer sa joie puisque ses pensées étaient ailleurs. « J'ai trop mal aux pieds, je n'en peux plus. J'ai voulu me faire jolie et ne pas mettre de basket mais... » a-t-elle soupiré, pieds nus en pleine rue, ses chaussures à talons à la main. Nathalie craque. Jean-Luc Reichmann n'a pas su contenir son rire bien longtemps. Et du côté des internautes, même si la compassion s'est fait ressentir, certains se sont également amusés de la situation. Jean-Luc, il va falloir un bon massage pour les pauvres pieds de Nathalie. Je plains Nathalie, il faut s'occuper de Nathalie ce soir pour qu'elle oublie ses pieds douloureux. Jean-Luc, il fallait porter Nathalie, a-t-on pu lire dans les commentaires. En pleine nuit, Nathalie craque, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Twitter.com/3neuvka0nm9, Jean-Luc Reichmann @JL-Reichmann, March 18, 2023. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. À lire aussi, Jean-Luc Reichmann adresse une tendre déclaration à sa compagne Nathalie Lecoutre pour son anniversaire. Photo.